particulier ce soir parce que ce concert célèbre les 10 ans, 10 ans que j'enseigne à Toulouse. Alors là, cette année, on l'a fêté déjà une fois, c'est vrai. Mais bon, moi j'aime bien fêter deux fois. Et donc, vous allez avoir 10 élèves qui vont vous interpréter des morceaux très différents de Scarlatti à Debussy. Donc, le programme est vraiment par ordre chronologique des compositeurs. Alors, certains élèves présenteront eux-mêmes leurs morceaux. Quant aux autres, c'est moi qui m'efforcerai de dire quelques mots. On va commencer avec la période baroque et Scarlatti. Domenico Scarlatti, non pas Alessandro, son père. Le père avait composé 600 opéras et le fils a composé 600 sonates. Et ce soir, vous allez avoir la chance d'écouter Julien qui va vous interpréter deux de ses sonates. La gavotte, qui est une danse assez rapide, assez énergique. Et ensuite, une autre œuvre qui est une sonate qui, elle, a ce côté dans la première partie un peu sonate de chasse. Et dans la deuxième partie, très différente, vous allez voir beaucoup plus de lyrisme, presque déjà une annonce du romantisme. Et la troisième partie refermera la boucle comme la première avec le côté chasse. En deuxième position, nous écouterons Marie qui va vous jouer un prélude de Bach. Ça sera le 17e prélude en la bémol majeur, qui est un prélude qui évoque l'enfance, les jeux. Bach qui est le plus grand compositeur qui ait jamais existé. Ça, vous le savez. Quand est-ce qu'il est né, Bach, Joseph? Tu le sais ou pas? Cyril? Allô, c'était Ali, dépêche-toi. Allez, on t'écoute. Tu peux bavarder alors, c'est l'occasion. 1600. Voilà, je vous annonce déjà les deux prochains élèves, les deux prochains morceaux à venir. Vous pouvez d'ores et déjà applaudir et couper vos téléphones portables.
quatrième sonate de Mozart, premier mouvement. Thank you.
tous. Je vais vous interpréter un capriccio de Brahms qui est inspiré des œuvres pour violon de Paganini. Thank you.
vais vous interpréter un intermezzo de Brahms. C'est le numéro 2 de l'opus 118. L'opus 118 comporte 6 pièces et elles ont toutes été dédiées à Clara Schumann, la femme de Robert Schumann, un compositeur aussi. Thank you.
Oui, alors c'est Varum de Schumann. Et Varum, c'est pourquoi ? Thank you.
croire. Alors c'est un chant mélodieux qui sort peu à peu de la brume. Et puis survient l'image, l'ombre d'une jeune fille. C'est la fille aux cheveux de lin qui chante, qui est à peine troublée par un coup de vent. Elle revient, et on la voit pleinement, et elle disparaît comme elle est venue. Thank you.
Cette œuvre parle des fois d'un carnaval, des feux d'artifice. Moi, je l'interprète comme ça. Maintenant, c'est à vous de l'interpréter.
Bien. Mais d'accord. Tu vas pas jouer. Par contre, peut-être que tu peux nous parler de la pavane pour un enfant de défunte de Maurice Ravel, toi qui connais bien l'histoire. Alors cette pavane, c'est une des premières compositions de Ravel. Ravel était encore, je pense, au conservatoire et elle est dédicacée à son cher maître Fauré, Gabriel Fauré. Non, je me trompe. Elle n'est pas dédicacée. Elle est dédicacée à une mécène, à la princesse de Polignac. Mais elle avait été écrite de façon à ce que son maître Fauré la voie et la corrige. Et à la fin du cours, Ravel dit à Fauré, « Mais comment, maître, vous avez parlé de toutes les autres œuvres des élèves, et la mienne, vous n'en parlez pas, vous ne l'aimez pas. » Et Fauré lui dit, « Je l'aime trop pour en parler. » Alors cette pavane représente, enfin, veut évoquer la mort d'une infante, une infante dans un vieil escurial. Alors la pavane, c'est une danse lente, c'est une danse aristocratique que l'on dansait lors des très grandes occasions et en particulier devant le corps de cette jeune infante. Hein, imaginez un tableau de Velázquez, cette infante que l'on voit et qui meurt très vite. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, c'est une composition qui a eu un immense succès. Ravel, d'ailleurs, en était chagriné. Il disait, j'ai tellement écrit d'autres choses plus belles. Et il s'est laissé un jour fléchir par Diaghilev et il l'a orchestré. Alors il a préféré orchestrer plutôt que jouer au piano. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous en prie. Merci. Thank you.
que vous devez sûrement pas connaître. Il était surtout très connu des autres compositeurs et des pédagogues. Il s'agit d'Adolf von Anselt, qui malgré son nom n'est pas allemand, mais russe. C'était un ami proche de Rachmaninoff, qui a composé beaucoup d'études. Et là, ce soir, je vais vous jouer l'étude numéro 6, qui s'intitule « La danse des sorcières ».